Ce vendredi, une journée de récompense et d'hommage pour les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Et c'est une première. Des prix ont été décernés à la direction centrale, la direction régionale et le service qui ont été les plus performants en 2013. Même les agents les plus anciens qui ont entre 30 et 36 ans de vie au service du ministère ont été salués et honorés. Passer 36 ans au sein d'un ministère, un seul ministère, je n'ai pas changé de ministère comme les autres ont fait partie, venir. Non, je suis resté fidèle au ministère du Commerce. Vraiment, nous sommes contents, nous souhaitons que cette action soit perpétuelle. Pour 2014 qui commence, le ministre Jean-Louis Billon a tenu à indiquer la voie. Montrer les capacités, la technicité, le professionnalisme de notre ministère. Montrer comment nous sommes un carrefour, un ministère clé pour toutes les transactions et montrer justement comment la compétitivité de l'économie ivoirienne repose sur un commerce fluide, compétitif, concurrentiel, des PME performantes et un artisanat de qualité. Des voies à suivre pour des objectifs à atteindre, les 900 agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sont décidés à y arriver.